Bonjour, cher futur moi dans 10 ans. On est le 28 février, il est 16h15. Bientôt 16h16. Déjà pour commencer, j'espère que tu vas bien et que ta vie te plaît, on va dire. J'espère que tu es toujours avec Timéo parce que à l'heure d'aujourd'hui, ça fait plus d'un an qu'on est ensemble, c'est bizarre à dire. Et que. Bah, il est là pour nous, donc j'espère que vous êtes encore ensemble. Et si c'est pas le cas, bah, que moi vous êtes restés en contact et que ça se passe bien entre vous. Parce qu'on sait très bien toutes les deux que sans lui on est rien. Enfin, on n'est pas rien, mais c'est compliqué de vivre. J'espère aussi que le lycée s'est bien passé pour toi. J'espère que l'examen de fin d'année s'est bien passé en terminale. Hein. J'espère que tu as eu ton bac et que maintenant tu travailles dans ce que tu veux faire. Est-ce que du coup tu es heureuse en fait? Est-ce que. Ta vie te plaît mais, et que tu as réussi à faire ce que tu voulais faire. Parce que je pense que c'est très important. Alors d'aujourd'hui, si tu travailles dans ce que vous voulez faire avant, bah c'est bien, mais si après tu as changé de passion et que tu as trouvé quelque chose mais qui nous plaît nous deux, c'est encore mieux tant que ça te plaît, tant que ça nous plaît. J'espère que avec papa et maman, ça se passe mieux. Parce que je sais que ces dernières années, ça a été très compliqué. Maintenant, ça se passe mieux, mais... Je sais que ça a été très compliqué. Enfin, on le sait très bien. Et j'espère que t'es encore plus proche d'eux que maintenant. Que tu parles avec eux, que tu rigoles avec eux, que tu t'en super bien avec eux. Parce que toi et moi, on sait très bien que c'était très difficile. J'espère qu'avec le temps, t'as réussi à avouer à tes parents que tu faisais des crises d'angoisse. C'est compliqué de les gérer. J'espère que t'as fini par arrêter de mentir à tes parents et leur dire toute la vérité quand ça allait pas ou quand, même quand ça allait, c'est bien aussi. J'espère que t'as pris du temps aussi pour être avec eux et t'amuser avec eux, même si c'est vrai que vous avez pas forcément beaucoup de moments ensemble, d'essayer au moins. J'espère que t'as eu des années beaucoup plus heureuses que ces 2, 3, 4 dernières années. Parce que c'est vrai que ces dernières années, ça a été très dur. Beaucoup de décès, beaucoup de pertes amicales ou sentimentales. Sauf qu'au final, amicales, je me dis que ben, ceux qui sont partis ou ceux que j'ai plus, ben, c'est pour une bonne raison et franchement, tant mieux. Et franchement, sentimentales, j'aurais aimé ne pas les avoir vécues, mais en même temps, ça m'a montré qui j'étais vraiment et ce que je voulais. J'espère que tu ne regrettes pas toutes les relations ou toutes les disputes, tous les ennemis que tu as eus, parce que ça fait de nous ben, en fait, qui on est et c'est tellement... En fait, important parce que sans tout ce qui s'est passé, ça n'aurait pas fait qui on est vraiment nous. Franchement, le passé fait partie de nous, il faut pas le changer. Il faut pas le regretter parce que c'est très important de vivre avec le passé parce que le passé est peut-être pas simple. Mais ça nous forge le caractère et notre personnalité. Et pour finir, j'espère que dans ces 10 ans, t'as fini par avoir confiance en toi. Totalement. Et savoir te regarder dans un miroir sans essayer de te chercher des complexes parce que t'es parfaite. C'est bizarre de se dire ça à soi-même. On le mérite en fait d'avoir confiance en nous, d'être heureuse, etc. Donc bon, j'espère que t'as fini par vraiment devenir ce qu'on voulait devenir. Et que j'espère juste que t'as pas eu trop de difficultés sur ta route pour réussir tout ça. À dans 10 ans. J'agis sans vraiment songer aux conséquences. Puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour prendre mes conneries d'aujourd'hui, mais j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi, tout est possible, le meilleur comme le pire. Cher futur, si tu savais, j'en ai des choses à dire, j'en ai des choses à faire, j'espère qu'elles seront faites. Cher futur, je te l'avoue, parfois tu prends la tête, souvent tu fais rêver. Je cours et j'imagine la ligne d'arrivée sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite, tu es le maître. Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur, moi, ah ah. Cher futur moi, ah ah. Cher futur moi, ah ah.